Petit papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite. Avant je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Hop! Eh ben oui, c'est Noël après l'heure. Eh ben pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai reçu depuis la France ces deux paquets. Donc merci beaucoup, c'est des abonnés et amis qui m'ont envoyé ça. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par le plus petit. Allez, même si normalement les dames en premier, mais on va commencer par le plus petit quand même. Alors, ouvrons ça. Et voilà, un peu besoin d'aide. Bon, je sais déjà à peu près ce qu'il y a dedans, puisque c'est Christian Chevillot qui a une chaîne sur laquelle il nous fait des petits films documentaires et puis des vidéos de concerts. Pas mal de concerts en église. Si vous aimez ça, allez voir sa chaîne. Je vais vous mettre le lien en dessous en description. Il m'a contacté pour un défi. Puisqu'a priori, c'est quelque chose de super piquant. Il m'a envoyé ça depuis la France. Donc il m'a un petit peu mis au défi de faire ça. Bah, évidemment, bien sûr que j'accepte. Donc ça, il y aura une vidéo là-dessus. Ça vient de Malaisie, a priori. Donc, deux fois spicy. Bon, Christian, c'est sympa. Je vais tester ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis un peu déjà pas mal habitué au piment. Si tu vois le rayon piment chez moi, j'ai quand même énormément déjà de sauces différentes, de piments différents. Mais ça, il n'y a pas de souci, je vais faire une vidéo là-dessus. Merci Christian, et à bientôt pour cette vidéo. Allez, je passe au deuxième. Ça vient d'une abonnée aussi, amie. Elle a voulu absolument m'envoyer un petit cadeau de Noël, alors qu'elle sait très bien que Noël, je fais rien pour ça, hein, fais chier papa Noël. Quand tu es descendu du ciel, allez hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Allez, hop, on vire le carton, et ben ça y en a des choses là. Ouh là là, allez, des chaussettes 7 fois plus chaudes. Avec test de youtubeur. Bon bah ça j'essaierai, pas de soucis. Des chaussettes c'est toujours utile. J'ai une infusion au gingembre, ginseng et piment. Bah, voilà, elle sait que j'adore le piment. Avec la soupe, je vais rester dans les plats épicés. Petite boîte surprise. Bon, le petit papa Noël, là, on vire. Le petit mot, ça, ce sera pour moi plus tard. Allez. Du baume à barbe. Ben, on se demande bien pourquoi que c'est faire, hein. Peut-être pour ça. Impeccable. Du baume à barbe. Un t-shirt. Avec la créature d'alien qui tient E.T. Dans la gueule. Miam miam, sympathique. Et ça, qu'est-ce que j'ai là? Le kit qui est poudre. Qu'est-ce que c'est ça? Qui est. Hop! Vous avez entendu là? Allez, on l'a refait. Et ouais, c'est bah, des graines de myrte. Et ça, heureusement que ça a pu passer la douane. J'adore la myrte. J'adore la myrte. Et puis ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suis super habile pour défaire les cadeaux.
Et, oh, génial. Un chemog. Excellent. Ça fait quelques temps que je me suis dit, tiens, il faudrait que j'essaye de me trouver ça. Ben là, évidemment, il n'y en a pas. Bon, ben voilà. Et ben, merci beaucoup pour tout ça. Si vous avez envie de faire comme eux, et ben, n'hésitez pas, sauf que ça met quand même super, super longtemps à venir. Là, j'ai quand même eu de la chance que ce soit pas bloqué à la douane. Il y a des choses que je m'étais envoyé moi et que ça a mis énormément de temps et puis qu'il a fallu que je paye beaucoup pour récupérer parce que c'était bloqué par les douanes. Là, j'ai eu du bol. C'est peut-être pour cause de pandémie qu'il n'y a plus de douaniers, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et puis, bah, vous allez revoir un petit peu tout ça dans des vidéos assez prochaines. Les petits tests, ne serait-ce que des chaussettes. Et puis, peut-être le thé, tiens, en même temps que la petite soupe de Christian Chevillot. Merci à vous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!